vers sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Oh là là, ces acteurs, c'est incroyable. Ah, c'est que des trucages. Le Kung Fu, c'est pas des effets spéciaux. Rallume. Mais je regardais la télé, là. N'importe quoi, ça va jamais griller, hein. Faudra que tu laisses des jours et des jours avant que ça prenne une petite tache brune. Et voilà, ça, c'est du kung-fu. Razmo, je vais t'avouer quelque chose. J'ai été un petit rat de 3 ans et demi qui a été recueilli et élevé par des moines dans un monastère Shaolin il y a bien longtemps. Quand je les ai quittés, je maîtrisais parfaitement le Tao de tous les animaux. Singe de feu, c'est ma spécialité. Ceinture noire, 16e dan. Bon, je te laisse. Si tu veux devenir un maître du kung-fu, tu devras étudier toutes les disciplines, petit scarabée. Et surtout connaître sur le bout des doigts l'art du... massage de pied. Comme ça, c'est bon, là, ça te plaît, là? Bien le bonjour. Vous allez faire vos valises et abandonner ce navire. Moi, je suis Bruce Louis. Lui, c'est Abdullah Abdullah. Mm-hmm. On est le gang de les dames. Ce bateau et sa cargaison sont à nous. Mais d'où tu sors, toi, hein? On est chez nous ici. Allez, hop, demi-tour, les gamins. Hey, mais c'est horrible, cette coupe. Tu vas me changer ça tout de suite. Allez, dégage. Je suis très impressionné. Bon, allez, tu dégages maintenant. Ou vous allez provoquer la fureur du singe de feu rapido, grand maître Shaolin de Kung Fu à 3 ans. Il va vous sortir, ça va faire très mal. Pire qu'une raclée, tiens, j'ai hâte de voir ça. Oh, ça va être la honte pour vous. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Vas-y, rapido, vas-y, éclate-les, démonte-les. Ah, je vais m'éclater. Je suis désolé d'avoir à vous demander de bien vouloir faire ce qui vous le demande. Il est un peu énervé ces derniers temps. Vas-y, rapido! Demain, quand on reviendra, il vaudra mieux que vous soyez plus là. Sinon... Génial, super, bravo, t'as pas donné un coup, quel contrôle. Génial, c'est bon, ils sont partis, t'en fais une tête, t'as pas l'air content. Bon, demain on remet ça, ok? Le dragon de fer cherche sa proie. Avec sa queue, il frappe. J'aime bien. Alors, là, les yeux sont bien. Debout. Tu vas m'aider dans ma préparation kung-fu et de cette manière, le kung-fu, tu apprendras.
Ces deux brigands ont réveillé le singe de feu qui est en moi. Fais ce que je te dis. Et ouvre les yeux en grand quand le maître entre en action. Je reviens. Donc il se couche. Jette-moi un truc à la figure, allez. Et te retiens pas, vas-y à fond. Un truc comme ça par exemple. Jette-moi un truc. Le roseau plie, jeune facochère, mais ne rompt jamais. Ouais. Hein? Wouah, maître, c'est incroyable, vous avez dispersé toute l'armée russe en deux secondes. Grand chinois, grand. Merci. Excusez-moi de vous déranger, grand maître, mais ça sert à quoi cette odeur puante qui pue? Ça ne pue pas, c'est de l'encens, petit Fennec. Il permet d'éloigner les mauvais esprits, y compris ceux qui habitent un grand corps plein de muscles. Ah, ils peuvent venir! Maître Rapido les attend. J'avais pas dit qu'il vaudrait mieux que vous ne soyez plus là, hein? Sinon... Bien, bien, il est temps de passer au sinon. Tous vos sinons ont mis Maître Rapido en colère. Qui serait plus fort karatéka, évidemment, c'est Rapido. Voici. Le dragon de fer cherche sa proie. Le dragon de fer cherche sa proie et avec sa queue, il frappe. C'est dans Kung Fu Monster, le premier. Je l'ai vu, moi aussi, plusieurs fois même. J'ai le coffret DVD Kung Fu Monster 1, 2 et 3. Avec des combats de Nunchaku en supplément bonus. Soyez dans ma taillard. Alors là, tu me déçois énormément. Toute cette histoire d'enseignement à 3 ans et demi, les moines Shaolin, tu m'as menti et je t'ai cru. C'est pas beau de mentir, Rapido, t'es vilain. Eh oh, le grand, viens t'expliquer avec moi de plus près. Toi là-bas, tu te la fermes, personne t'a parlé, tu te la fermes tout de suite. Dehors, tu dégages de ce bateau. Maître, acceptez-moi pour disciple, je vous en supplie. Apprenez-moi la technique du dragon d'or qui fume pour régner sur le port de Hong Kong. Tu veux être mon disciple? Ok, d'accord, ça marche. Mais tu te la fermes et tu me suis, ok? Alors, pour mériter le titre de grand maître qui fait ce qu'il veut comme forme avec la fumée, tu devras d'abord gravir les 707 échelons de la sagesse. D'accord. Très bien. Pour l'étape numéro 1, il te faudra faire preuve de courage. Tu vas plonger dans la mer, nager jusqu'au Cambodge, où tu graviras la montagne de la vérité. Tu pourras la reconnaître en haut, il y a un peu de neige. Quand ce sera fait, ben, il y aura pause déjeuner, après on enchaîne. Merci, ô grand maître du dragon qui fume. Foyaya! Il est incroyable ce magicien. Il a réussi à transformer un grand cheval en grand poney. C'est fou ça. Mais c'est un bouffon. La magie c'est pas ça. Tout le monde le connaît, le coup du poney. C'est des effets spéciaux. Rien à voir avec la vraie magie, celle que je connais. Celle de Houdini, mon maître. C'est lui qui m'a tout appris, oui, quand j'avais 2 ans et demi. Bon, allez, abracadabra. Houdini fut le plus grand des magiciens de toute l'histoire de la magie. Prépare
ça? Répare ça tout de suite! Non, tu te la fermes. Allez, tu dégages maintenant, sale mouche. Allez, sinon je vais chercher une tapette, dégage. Lâche-moi, je te dis que je l'ai pas! Tu vas m'obliger à te faire mal! Il faudrait d'abord que tu me retrouves! Vite, arrête! Un dernier petit coup et ma machine sera comme neuf! C'est la pause de beignet! Qui va prendre 10 kilos? Oui, enfin terminé ma carte du monde. J'ai réalisé mon rêve d'enfance. Capitaine! Encore ces maudites bestioles, ça commence à bien faire. Vous voulez un beignet? Maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Comme moi, je l'ai largué. Je te tiens, espèce de vieille crapule! Rends-moi ma clé 12 ainsi que mon tournevis cruciforme et tout de suite, sinon je t'explose! Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler, lâche-moi, je te... Ah ouais, oh. tu vois pas ce que... Attends! Ah, c'est bientôt l'heure du castor bricoleur! Après l'émission, je veux mes outils, sinon je fais un malheur, je te massacre! Monsieur des rats, merci d'être venu si vite. J'ai un furieux problème de rongeur. Je suis là pour ça. Bon, on va aller voir ça de plus près. T'as vu, Rapido, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce castor bricoleur. Hop. Il a quand même réussi à réparer un frigo avec une planche. Et voilà, il a rien vu du tout. Ce rongeur ne m'a pas l'air très coriace. Ça va être fastoche. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible. Oui, on vous fait confiance, c'est vous le pro. Oh mais non, c'est la copine du capitaine, c'est pas grave. Bon, où j'en étais, moi? Ah oui, il faut que je m'occupe de la surprise de Raz. Waouh, mais quel génie ce castor! Comment il peut lui venir l'idée de réparer la banane avec des clous? Bon, rapido, on en était où déjà? Hein? Ah! Mon turbo tuyau d'aspirateur, on me l'a volé, ça c'est rapido! Pas de rasement en vue? Il m'en faut encore plus. Toi, mon petit, je t'ai préparé un bon petit lit douillet. Hein? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du fromage royal. Ah zut, réglage trop sensible. Waouh, encore un cadeau pour Razmo. Waouh, encore du fromage, mais c'est Noël ou quoi? Allez, vas-y, croque dedans, fais-moi plaisir. Lâche, mais lâche. Ah zut de zut, pas assez sensible. Rapido! Où est-ce que t'es, s'il te plaît? Razmo. Vite, il faut que je cache ça. Viens dire bonjour à tonton marteau. Rapido! Qu'est-ce que ça, quoi? Bon, je vais pas te le dire mille fois. Elle est où, ma caisse à outils?
Bah, c'est raté. Qui c'est, la grande aux yeux verts? Chouette, voilà son petit copain. Je vais faire d'une pierre deux coups. Eh, baisse les yeux que tu commences à m'énerver, hein. Encore raté. Non mais c'est incroyable celle-là, elle est folle cette fille ou quoi? Elle faut qu'elle se calme, hein. De toute façon, dès qu'une fille elle me croise, elle veut tout de suite m'embrasser, c'est incroyable. Mais ça, ça doit venir des oreilles, t'as des vraies oreilles de beau gosse. Je sais, c'est pas souvent qu'on me le dit, mais quand ça vient de toi. De toute façon, de toute manière, c'était pas mon genre. Parce que j'ai remarqué, elle avait quatre yeux. Oh, des jumelles? Non, c'est une machine à remonter le temps. Ah, mais oui, tu regardes à l'intérieur et tu vois l'avenir, mais c'est génial. À moins que ce soit un piège à rat. Mais oui, c'est un piège à rat, mais c'est ça. Il se referme sur nos têtes et on est quick. Ils ne veulent pas mordre l'hameçon, mais c'est pas grave. Je vais les faire exploser. Et boum. Hein? Quel idiot. C'est le moment d'utiliser ma super truffe à glu. Donne-moi la main. Ah, matériel d'occasion. Hasta la Michu. Mais où ils sont passés? Oh là là, c'est magnifique, capitaine. Furieusement splendide. Benny, descendez voir où en est l'exterminateur. S'il vous plaît, de rien. C'est bon, vous les avez eus, Pas encore. Faut changer de métier, hein. Non, n'allez pas par là. Quel gâchis d'explosifs. On voit bien qu'il sait pas combien ça coûte. Des explosifs? Je ne crois pas que le capitaine soit au courant. Elle ne trouvera pas ici. Ah ouais? Et ça, qu'est-ce que c'est? Coucou, mes petits. Mais comment elle a fait? Elle a mis son œil dans un miroir. C'est l'heure de faire vos prières. C'est la visite pour toi. Quoi? Arrêtez tout de suite, immédiatement. Et tout de suite. Parfait, ils sont pris au piège. Vous n'avez pas dû comprendre, on n'a plus besoin de vous. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas fini mon travail. Oh si, toi fini. J'ai rempli toujours mes contrats. Essayez pas de m'empêcher. Mais où est-ce que vous l'avez trouvé, sa guignole? Au syndicat des exterminateurs. Maintenant, si vous permettez, j'ai un boulot à terminer. Avec 12 tonnes de TNT, ces sales vermines ne vont pas résister longtemps. Au TNT? Parfaitement. Ça va faire un joli feu d'artifice. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je suis que cuisinier. Tout le monde sur le pont! Hein? Hein? Ensuite, mais je sais, je vais faire exploser tout le pain. Yes! Il est temps pour toi de prendre des vacances. Tu les as bien mérités. Oui. Joli. Hein? Hé, rapido, t'as vu comment ça vole bien, une femme aux yeux verts? Il avait pas les yeux verts. Mais si, il avait... Ah mais non, c'est vrai, je suis bête, il avait pas de yeux. Beaucoup plus court, j'ai pas l'habitude. C'est plus court, mais ça flotte toujours. Ah! Mais où est-ce qu'il est passé, ma clé à molette, hein? Mais c'est pas possible. J'ai un cadeau pour toi. C'est vrai? Pour moi? Ouais.
avec les 12. Oh, tous mes soutiens à moi. Ah, c'est rien, c'est quelques babioles. Je pensais que ça te ferait plaisir. Ça, tu sais. Je sais pas trop. Mais il y a du fromage dessus. C'est la plus belle surprise de toute ma vie. Eh ben, profite, c'est Bibi qui régale. Douleur. Un bidon. Douleur intense. Oh là là, quelle heure il est? C'est l'heure de bientôt, l'heure du castor bricoleur. Oui, il faut que j'aille préparer le popcorn. Ouais, c'est ça, vas-y, j'arrive. De l'humour, j'adore ça. Non, j'en suis tout retourné. Je devrais dire qu'un accident, ça n'a rien de marrant. J'aurais pu mourir, moi. Oh là là, je sais ce que je vais faire. Tu vas mettre un casque? Non. Tu vas mettre deux casques? Hé, hey, Razmo, tu veux essayer de battre le record de vitesse supersonique? Brum brum. Mon Dieu, Razmo, mais qu'est-ce que tu fais? C'est horrible! Ne me dis pas que tu t'es mis à la peinture abstraite! Pas vraiment. Je prépare un panneau de signalisation. Un quoi? Il faut mettre en place quelques normes de sécurité ici et là. À commencer par 2-3 panneaux! Jusqu'à présent, on s'intéressait qu'à la vitesse, sans jamais penser à la sécurité. C'est dommage. Mais maintenant, les choses vont changer grâce à mon nouveau système de panneaux. Ouais, bon, d'accord, mais maintenant tu viens, on fait la course. Attention! La vie est trop précieuse pour la risquer sur un coup de tête, il faut surtout... Arrête de me prendre la tête avec ton blabla sur la sécurité, je m'en fiche! Laisse tomber, monsieur sécurité, je peux te dire que j'ai pas besoin de toi pour battre leur corps de vitesse. On est prié de respecter la limitation de 10 km/h. Ça te va là? Pas trop rapide pour toi? Quoi? J'y crois pas! J'ai raté le record de 3 secondes! Silence! Hôpital, t'as pas lu le panneau? Bah c'est pas grave, je vais te mettre une contravention. Tiens, tu lis ça! Attentivement! T'as jusqu'au 31 pour payer, si tu dépasses, bon bah après ça sera ma journée, bien sûr. Les limitations de vitesse, c'est pour les bouffons dans ton genre! Or! Qu'est-ce qu'il a dit là? Eh bah celle-là, il a pas volé, bah je vais lui remettre une contravention. Mais ce type est complètement malade. À 2h du mat, il peint des panneaux de signalisation. Razmo, j'en ai qu'à essayer de dormir. Oula, la nervosité est un vilain canard qui se mange froid.
Tiens, tiens, moi j'en connais un qui va battre son propre record de vitesse aujourd'hui. Je peux venir avec toi? Rasmo, c'est vrai, t'es partant mon vieil ami toujours. Je croyais que ta blessure à la tête t'avait détraqué. Oh, merci. Allez, viens, c'est par là. Allez, en voiture, et que le meilleur gagne. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai bricolé une petite amélioration sur nos radboards. Oh là 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 là, une amélioration quoi? Tu vas voir, ça va te plaire, c'est sûr. C'est quoi ça là? J'accélère à fond et pourtant on fait du surplace. Vous avez atteint la vitesse maximale. Qui c'est qu'a dit? C'est Steve, ton super ordinateur de bord. Veuillez laisser vos mains à l'intérieur du véhicule. Attention, je suis en train de te dépasser. Non. Rasmo, reviens ici tout de suite. Enlève-moi ce truc débile de ma radboard. Veuillez ne pas toucher au système de commande. Steve est un gentil système de sécurité programmé pour ta protection. Il est très gentil. Et c'est maintenant Villeneuve qui décide de dépasser sur la gauche et qui part le premier dans la ligne droite. N'oubliez pas de regarder des deux côtés avant de traverser la route. Mais ferme ta bouche, dégage! Hé, hey, attends! Dis-moi, si je me trompe pas, tu es bien programmé pour assurer ma sécurité, oui ou non? C'est exact. J'ai comme priorité absolue de protéger le conducteur en toutes circonstances. Bien! Alors c'est le moment de passer de la théorie à la pratique. Attention, danger imminent. Nous nous dirigeons tout droit sur un hachoir géant. Tu m'as parlé? Changer de direction. C'est incroyable ça! Touche pas à mes commandes, d'accord? Avec ta saleté de main ou je t'en mets une? Ben vas-y, t'es si fort! Ah, ça y est, je te tiens! J'en ai marre! On commençait tout juste à s'amuser! Enclenchement de la ceinture de sécurité 4 points. Système de refroidissement pour le conducteur en surchauffe. Hey! Mais on est où là? Nous sommes actuellement dans le tuyau de vidange du navire. Hey! C'est quoi ce bruit? Non! Alerte jaune. Alerte jaune. Ce truc de fausse dessus! Nous avons atteint la vitesse maximale. Steve, Arasmo, nous sommes bloqués dans la fosse septique du navire. Oh non! C'est la catastrophe! Je détecte une hausse de tension. Le repos est conseillé. Mon ami est en grand danger! Votre tension est montée à 18-12. Je ne peux pas vous laisser conduire dans cet état. Non mais... Mais c'est moi qui commande, c'est moi le patron ici, mais t'as compris? C'est moi qui t'ai conçu, non? Douche relaxante forcée. Rasmo, qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous que je vous chante une chanson? Monsieur l'ordinateur de bord, prépare-toi à retourner au cimetière des ordinateurs. Rasmo, je t'aime. À fond les bananes! Rasmo est arrivé! Donne-moi ta main!
tu pues, ma parole, tu pues. Razmo, enlève-moi cette prothèse monstrueuse immédiatement. J'ai peut-être un petit peu abusé, c'est vrai, j'avoue. Des... Maintenant. Alors, t'as bien tout enlevé? Il reste plus rien? Désolé, vieux, c'est vrai, j'avoue, j'ai un peu pété les plombs. Mais on aura appris quand même une chose super importante. C'est que la sécurité et l'hygiène sont les deux mamelles de... Tribord, tout... Non, bah, babord. Je vous préviens, si ça continue, je vous rends mon goûter. Ça va, ils sont biodégradables, hein. Oh là là, trop fort! Viens voir ça, Razmo, viens voir ça, il y a un type qui fait du ski nautique comme un fou! Mais c'est... Mais je le connais! Mais c'est le mec de Titanic! Ouais, c'est ça, ouais! À chaque fois que tu regardes dans ses jumelles, faut que tu vois tout Hollywood, c'est incroyable, t'es incroyable, toi! Waouh! C'est beau, l'imagination! Allez, mes petits, suivez-moi! Pour qui c'est la bonne soupe de crustacés aux algues? Miam, miam! C'est bien, continuez comme ça, mes petits. Papa Benny reviendra vous donner à manger. Moi, je trouve ça plutôt louche. Hein? À ton avis, pourquoi est-ce qu'il essaye d'engraisser ce chien? Ben, peut-être parce qu'il veut le manger, qu'est-ce que tu crois? On peut pas laisser Benny faire son hachi parmentier avec ce chien. Patience, mes amis. Razmo va vous sortir de là. Oui, bientôt vous serez libres. Hein? Hey, c'est sur moi que vous aboyez là? Alors que je fais tout pour vous libérer, donc. Mais tu rigoles? Et pourquoi qu'on voudrait s'en aller d'abord? On est bien ici, hein? Puis c'est mieux qu'un hôtel 4 étoiles, tu trouves pas? Alors fiche le camp, hein, si tu tiens tes oreilles à ton moche pyjama. Bien, maître. C'est bizarre, j'ai l'impression que les petits chiens sont les domestiques du gros chien. Eh, viens voir ça. Le gros chien, comme tu dis, c'est Tomo le sumo, le champion international de lutte. Ce bulldog est une vraie vedette. Sapristi. Il faut pas que je laisse passer ma chance de faire ami-ami avec une authentique célébrité. Ouais. Excusez-moi juste une petite seconde. Est-ce que par hasard, il serait possible de rencontrer votre grand homo? Et voilà, c'est reparti pour un tour, mais quel tocard. Ce serait peut-être l'occasion d'avoir enfin notre propre serviteur. Oh, depuis tout petit, j'ai toujours voulu avoir un esclave. Non mais t'es malade. Tu vas me faire le plaisir de rentrer à la maison, hein. Je suis grand, je fais ce que je veux. Et toi, hein? On veut bien te laisser entrer, mais tu laisses Tomo tranquille et tu fais tout ce qu'on te demande. Razmo, je vais rencontrer Tomo, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, je vais rencontrer Tomo, je vais rencontrer Tomo. C'est pas possible, Rapido, mais il est... Il, quoi, il... Oh. Hein, oh. Hein? Oh, oui. Oh, oh oui, là, là. C'est bon, ça, hein? T'aimes ça, c'est bon, hein, oui, hein? Oh, oui. Oh, ne t'arrête pas, là. Oh, oui, oh, c'est bon. Vas-y, 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 les griffes, là. Stop! Rapido, tu es complètement grotesque. Et vous, vous avez pas honte d'exploiter la naïveté de mon meilleur ami? Et toi, va jouer sur l'autoroute! Ah la honte, il sait même pas qu'on n'a pas le droit de jouer sur l'autoroute! T'as de la chance d'être plus petit que moi? Non, sans blague. Willy s'est incrusté à ta fête et a plongé dans ta piscine. Oh! Et t'as dû le mettre à la porte! Eh ben, un jour, moi, j'ai réussi à mettre la pâtée à Jean Pinault. Je croyais t'avoir dit qu'il fallait pas déranger Tomo. Salut les gars, ça va comme vous voulez? Et si on mangeait un morceau? Patouche, c'est pas de la nourriture pour rat. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Il t'embête ce chien? Et il va chercher pigeon chien.
Hey, c'est pas si mauvais. Et ça, le rongeur, dégage, je le dirai pas deux fois. Eh hey, toi là, tu lâches mon copain ou je te jure que ça va choper pour toi. Oups. C'est pas nous, maître. C'est les rats, maître. Bon, ça suffit maintenant. Toi, le gros, là, va falloir que tu te calmes, ok? Les manières de gros dur, moi, ça n'a jamais marché avec moi, ok? Alors, au contraire, si tu veux pas que je me mette très en colère, je te conseillerais d'être poli. Non, mais c'est comme ça qu'il faut mater les chiens. Tomo accepte de relever votre défi. Quoi? Non, mais j'avais pas dit de défi. Le combat commencera à midi tapante. Un défi? Mais t'es complètement malade. Qu'est-ce qui t'a pris de le provoquer? Il fait au moins 500 fois ta taille. Ouais, bon, laisse tomber. Je vais regarder la télé. Oui, je sais qu'est-ce que je vais faire. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas à un mariage? Tiens, gonfle-moi. Waouh. Je vous présente, mesdames et messieurs, le champion du monde. Alors, petite tête, on se dégonfle? Allez, mes petits chiens-chiens, on rentre à la niche, c'est pour les grandes personnes ici. Toi, tu me fais pas peur du tout. Ah ouais? Hey, toi, hein, tu fais attention, yes, si tu me cherches, tu vas me trouver. Allez, vas-y, rase-moi, allez, vas-y, fais-lui comme je t'ai appris, n'oublie pas le coup dans le gauche, droite. Son pépère qui se sont échappés de leur ninis. Allez, c'est l'heure de vous passer à table. Regarde, Rapido, j'avais raison, il veut manger le chien. Alors là, j'ai du steak, là j'ai du beefsteak, là j'ai du rumsteak, là j'ai de la pastèque et là j'ai... Oh. Je sais pas toi, mais moi, j'ai pas tellement envie d'assister à cette boucherie. Maître, je crois bien qu'on devrait filer comme des rats. La viande qui court a encore meilleur goût. Regardez. Normalement, il ne voit pas. Dépêchez-vous, maître. La voie est libre. Ça va tomber. À table! Sauvé! Ouvrez-moi! Vous m'avez oublié! Maître Tomo, s'il vous plaît! Maintenant, c'est l'heure du combat. Ah, il arrête pas de rigoler, celui-là. Oh, à l'attaque! Combat! On dirait du latex. En fait, c'est un système d'air gastrique que j'ai inventé. Ah!
faut à tout prix que je vole au secours de Rasmo. Qui a mis cette armoire ici? Hein, quoi? Rapido, tu peux te dégager, s'il te plaît, tu me caches le soleil. Mais ça va pas ou quoi? Je suis un super-héros. Je t'ai sauvé. Et regarde ma grande jambe élastique. Wouh. Bon, ça y est, je l'ai vu. Maintenant, tu dégages, c'est ma serviette, tu dégages. Hein? Tu peux me mettre un petit peu de crème, là? Hein? Non, mais t'es complètement malade, toi. Tu dégages. Bah, allez, vas-y, s'il te plaît, juste là, un petit peu sur le nombril. Oh là là, regarde là-bas, c'est incroyable! On dirait pas Ricardo de la Montalatzotti, l'inventeur de la spaghetti! Où ça, Ricardo Montalatzotti? Mais si, regarde mieux, l'inventeur de la tagliatelle! Oh, comment t'avais raison, là-bas, il y a plein de tagliatelles! Eh oh, Ricomandanalzotti! Je vous adore, j'ai mangé toutes vos pâtes! Maintenant, un peu de lecture sérieuse. Fini la crasse, fini l'été sur trait, place rangement. Super nettoyage man est là, avec son grand bras, avec des dents au bout. Attrape, ramasse, et jette derrière. Tu peux me jeter ça, s'il te plaît? Mais attends, mais tu rigoles, mais attends, pourquoi tu le fais pas toi? Attends, mais t'as qu'à le faire toi-même. Mais non, monsieur est au-dessus de ça. Et Rasmo est là, alors pourquoi s'embêter? Tu comprends vite. Bon, t'as largement de quoi faire. Et moi aussi, je suis débordé. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec mon miroir. Salut, Raz. Amuse-toi bien. Ça, c'est incroyable. Je me suis encore fait avoir. Je déteste quand tu me fais ça. Oh. Michael Jackson lance une grande chasse au trésor pour retrouver son ombre. Il est trop fort, Michael. Une chasse au trésor, mais c'est une super idée. Ouais. Yo, 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 je suis le rat qui fait du rap. Yo, 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 rap, 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 pas fromage. C'est comme du fromage, c'est comme du rap. C'est le rap à fromage. Mentale. La solo de ma voix. La la la. Lorsque je mange un bout de fromage, je me sens comme un vrai roi mage. Oh. Regarde un peu ça! Mais tu me vaux la joie de ta visite! Regarde! C'est une carte au trésor! Oui, ça ressemble bien à une carte au trésor, on dirait, avec des énigmes. Avec des énigmes, ouais! Celui qui saura résoudre ces énigmes, il est dit, découvrira d'immenses richesses. D'immenses richesses! Oh, je le savais! Rasmo, si tu m'aides pas à résoudre les énigmes, je te lèche les pieds! Ah, alors là, dans ce cas, je vois pas comment je pourrais pas dire non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague? Non, Rapido, c'est comme je viens de te l'expliquer. C'est écrit là-dessus. Il faut que tu nettoies tout ce fromage si tu veux connaître la prochaine énigme. Et il y a d'ajouter qu'il faut que tout soit parfaitement nickel chrome. J'ai nettoyé tout le fromage et il n'y a pas d'énigme. Si ça se trouve, peut-être qu'il n'y a même pas de trésor. Si, Rapido, regarde. L'énigme numéro 2. Fais voir. Bon, allez, donne-moi ça. Oui, je vois, c'est de l'encre chinoise du Cambodge. Si je lis bien le texte, l'énigme suivante est cachée sous le papier peint de la cabine du capitaine. Elle va être toute belle, la décoration de mon atelier.
Ici, ce sera bien. Hey, rapido, j'ai trouvé le troisième message. Ouais. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais tu trouves pas? Elle est pourtant facile, celle-là. Il faut que tu dévisses les éléments de rangement de la cuisine. C'est là que tu trouveras la toute dernière énigme magique. Pas trop violet, mon violet? Et voilà, c'est quand c'est chaud à s'en brûler la langue que c'est beaucoup meilleur. Je vais chercher 2-3 patates. Une super idée, l'air de rien. Il me refait le stock de vis de mon atelier. Bon, alors, elle est où cette énigme? Il n'y a pas d'énigme. C'était juste une ruse pour te forcer à me donner un coup de main. Et il est là, le trésor. C'est toute une boîte de vis. Bon, très bien. Elle est où cette énigme? Une patate, 2 patates, 3, 2, 1. Ça brûle. Bon. Ouais, l'énigme, je l'ai trouvée. Derrière l'anneau d'or se cache la merveille, le plus somptueux des trésors, l'anneau d'or. Je trouve l'anneau d'or et fais ça. C'est incroyable que je suis intelligent. C'est bien simple, je suis un génie. Je suis plus génial que Einstein. Einstein. J'ai rusé rapido comme Einstein. J'ai trouvé l'énigme sur le mur, derrière les placards. Je vais tout te raconter depuis le début. En fait, il n'y a pas de trésor. Tu comprends? Regarde mes doigts, regarde. Hop, hop, hop. Il n'y a pas de trésor, tu comprends ça? T'as été bien manipulé. Et grâce à toi, j'ai pu tout retaper, tout l'intérieur. Tout est impeccable. Tu crois vraiment que je vais gober ce tissu de mensonges, espèce de petit rongeur? Mais t'inquiète, je vais le trouver, ce trésor, et il sera à moi tout seul. Et avec, je vais m'offrir toute une collection de chaussures. Il est complètement malade. L'anneau! Il faut que je trouve l'anneau! Rapido! Qu'est-ce que tu fais? Je vais tout saccager sur ce navire jusqu'à que tu me dises où t'as caché l'anneau du trésor! Puisque je te dis qu'il n'y a pas d'anneau, y a rien! Y a rien! Comme tu voudras, je vais voir quel dommage je peux faire pendant que tu réfléchis. Non! Arrête! Arrête, Rapido! Je te jure, c'est la vérité! Y a pas de trésor nulle part, rien! Ouais, c'est ça! Mais y a rien là! Où est-ce qu'il a bien pu le cacher? Hé! Hey, attends une minute! Ouais, Razmo et son papier peint! Mais bien sûr, c'était pour cacher quelque chose! Oh non! Le grand nettoyage du printemps! Faut tout refaire! Sainte clé de la Marie-Joseph de Sainte-Bois, il est dans l'atelier! Ah! Mon atelier, il l'a détapissé! Bon, alors, cet anneau, je t'écoute, où il est? Il n'y a ni anneau, ni trésor! C'était juste une blague, alors arrête! Ouais, c'est ça, et ça c'est quoi? Hein? Il y a vraiment un trésor caché à bord! Ouais, c'est ça, joue pas les idiots avec moi, d'accord? Mais attends, c'est un miracle! Rapido, on va être riche! Non, non. Moi, je vais être riche. Ah, d'accord, je vois le genre. Hé! Hey. Mais attends, tu donnes ça à un enfant de 4 ans, y a pas de problème. Il comprend tout de suite, c'est réglé. Et où est l'anneau? Je commence à perdre patience! Ah ouais? T'as de la patience, toi? Si t'en avais, t'aurais lu tout le message. Et alors? Mais t'as même pas lu tout le message! Mais bien sûr, je l'ai lu! Oh la honte, il a pas lu tout le message! Tu me dis que tu as lu tout le message et tu l'as même pas lu! Mais c'est écrit là! C'est là, l'adresse de l'anneau, au milieu du plafond de la cuisine, il est nul! Hein? Ouais! Tu vois, c'est ce que je te disais, il est tombé du mur! Ah, j'espère que ça va tenir, cette fois-ci!
Ta, il tiendra, rassure-toi, et maintenant retourne à ta cuisine. Ah, je suis dans ma cuisine. Ce soir, fromage et patates. J'ai décroché le grelot. À moi le trésor caché. Oh, ça brûle les yeux tellement ça empeste. Ouah, ce fromage, mais qu'est-ce qui pue. Il est très 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 vieux, il y a des hiéroglyphes dessus. Regarde, mon Dieu, mais ça date de l'Égypte antique, c'est horrible. Benny, le capitaine. Oh, Benny. Oh non, il a succombé à l'odeur de ce... Ah, oh, je dois sauver l'équipage. C'est une vraie infection. Mon trésor. Tiens, rapido. Et dis donc, on est passé à deux doigts de manger ce truc-là. En attendant, les poissons, ils dégustent un maximum. Ben là, tu vois, je crois qu'on l'a échappé sacrément belle. Un peu plus, on devenait vert. Oh, toute cette histoire, ça me donne envie de vomir. Tu voudrais pas vomir en chantant? D'accord. Yo, c'est moi, le super rappeur. Solo de boîte à rythme. La compte au tac, la compte au tac. Fromage, 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 fromage. Solo de triangle. Fromage, 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 mage, mage. Solo de mandoline. Bonjour petit, je t'aime beaucoup. Serre-moi dans les bras et fais-moi un bisou. Je te retrouve comme dans mon souvenir. Comme c'est mignon. Une petite nounours qui parle. Mais je croyais que t'avais jeté ton nounours il y a 20 ans, en même temps que tes sucettes. Mais t'es nul, laisse-moi tranquille. J'ai pas de temps à perdre à écouter tes bouffonneries. Ouais mon gars, moi je travaille sur un projet scientifique top secret. Un projet scientifique top secret. Ouais. Un projet de biorobotique. Tout est là-dedans. Cette poupée en tissu éponge cache en elle-même un cerveau électronique avec intelligence artificielle. Un projet de la plus haute importance. Je tiens entre mes mains l'avenir de l'humanité. Place à l'intelligence! Oui, tu vas revivre, Crapouli. Tu vas revivre. Grâce à cette puce électronique que je viens de prélever dans le sèche-cheveux de Rapido, tu vas revivre. Avec ça, tu pourras rire, danser, chanter et faire des trucs. Alors, docteur génie des peluches, ça avance? Il en est où l'avenir de l'humanité? Je suis sur le point de réaliser une avancée scientifique majeure dans la majoration. Tu vois ce fauteuil? C'était celui de Bill Gates. Gates comme poulie, Bill comme système. Un système de poulie qui te permet d'être lié directement à tous les journalistes du monde. C'est Bill ma taille, trop fort. T'es coincé. Et maintenant, je vais être bien tranquille. Le moment est venu de ramener ce cher crapouli à la vie. Oh, énergie cosmique, donne-moi la force d'insuffler une nouvelle vie dans Monsieur Crapouli. L'oncle de la créature. N'importe quoi, celui-là.
Il a craqué, il est retombé en enfance. Ah, n'importe quoi. Hey, oh, Razmo, oh, hey, ha. Hey, on va se faire une virée au ras-de-bord, ça te fera du bien, viens. Pas maintenant. Wow, comment il a changé, lui. Allez, Crapouli, fais-moi rire, fais-moi rire, fais-moi rire. Maintenant que les enfants passages sont partis, je peux continuer. Oui, encore, regarde, regarde. Très bien, mais avant, voici une pause publicité. Non. Tut-tut. C'est nul. Je sais. Pour l'instant, le sujet observé est totalement réceptif à toutes mes blagues les plus débiles. Hey, qu'est-ce que c'est que ce trafic? Je peux savoir ce que tu magouilles, monsieur crapuleux? Depuis quand les peluches s'enregistrent au dictaphone? Il se passe des choses bizarres ici. Eh oui, monsieur Crapouli est de retour, les petits enfants. Hey, Raz, ton petit copain est pas clair, c'est moi qui te le dis. Je sais pas ce qu'il complote, mais il prend des notes au dictaphone. Je l'ai pris en plein délire. Rapido. Dehors! Va-t'en! Dégage, va jouer avec tes jouets à toi! T'inquiète, fabriquer un crapouli à ton image! Chiou! Bah dis donc, je l'ai échappé belle! Laisse-nous tranquille! Fiche le camp! Allez, vas-y, crapouli, continue! Encore, 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 fais-moi marrer! Bah, une dernière danse pour les petits amis! Danse avec moi, petit ami! Qu'importe la purée, pourvu qu'on ait leur régal. Les enfants adorent mes céréales. Bonne nuit, fais de beaux rêves, Razmo. Alpha, Beta, Nounours Bleu, dans une demi-heure. C'est parfait. Et tu fais paraître l'article dans la presse professionnelle, bien sûr. Oui, oui, mais pas de fuite, hein. Faut surtout pas que mon... Il ne faut pas que quoi? Je m'appelle Monsieur Crapouli, je suis joli et gentil. J'aime bien manger du riz, je suis Crapouli. Et ça, qu'est-ce que c'est? À qui tu téléphonais? Et les petits enfants sont mes amis. Arrête de te payer ma tête. Attends, non, non, mais c'est pas ce que tu crois. Pour qui tu travailles? Voilà, j'ai un petit coup de fatigue, moi, j'irai bien dormir, là. Puisque tu es l'ami de tous les enfants, le petit enfant rapido aussi, alors j'ai envie de faire un petit tour avec toi. Pasco! Mais crie pas, tu vas réveiller bébé Razmo. Dis donc, c'est plus haut que la tour Eiffel. Ah, ça c'est sûr, vaut mieux pas que tu tombes. Ah oui, et dis donc, c'est normal ce bruit-là, parce que le moteur va pas se détacher. T'inquiète pas, c'est des secousses, allez, danse pour moi maintenant, fais-moi rire. Et qu'est-ce que tu veux que je te danse? Un truc comme ça? Ou un truc comme ça? Qu'est-ce que tu veux, Razmo? Allez, je t'écoute, dis-moi la vérité. Et moi je danse et je ris, et je fais jamais pipi. D'accord, tu veux jouer au malin, j'ai compris, alors on va tous les deux jouer au malin. Crapouli, réponds-moi, Crapouli. Ah, non, je ne vais pas mourir. Oh, 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 arrête. Oh, que ce monde est cruel. Oh, adieu. Ah.
Je vais tout te dire, mais appelle un docteur. C'est pas trop tôt. Alors, vas-y, je t'écoute. Ok, j'avoue, j'ai joué à la comédie, mais c'était pour bien faire, hein. Je viens de signer un contrat avec Hollywood. Je vais tourner des émissions pédagogiques pour la télévision. Le petit poussé dans l'arène avec Michael J. Fox et Sylvester Stallone. D'ailleurs, on vient me chercher, là. Il devra pas tarder à arriver, tu sais. Ah, tiens, les voilà. Hélico personnel, évidemment. Faut que j'y aille maintenant, vieux, hein. Je te laisse le soin de prévenir Rasmo. Il va me manquer, le petit, tu sais. Il a gardé son âme d'enfant, là. L'âme de Monsieur Crapouli, tu sais comme on aime. Allez, salut mon beau. Et bonjour à ta maman pour moi. Allez, à ciao. Hey, attends. Mais reviens. Mais moi aussi, je veux faire de la télé. Moi aussi, je sais faire des imitations. Je sais faire le cochon. Rapido, t'as pas vu Crapouli? Ah, celui-là, je le retiens. Il vient de repartir pour Hollywood sans même me proposer un rôle. Comment tu veux dire qu'il est parti à Hollywood? C'est-à-dire Crapouli à Hollywood, mais il a rien à faire là-bas? Crapouli, il est parti, ça me dira au revoir. Crapouli, pourquoi es-tu parti? Ça me dira au revoir. Je comprends que tu déprimes, dis donc, ce que tu regardes, j'ai jamais vu aussi nul. Oh, le type que tu regardes, c'est fou, t'as remarqué à quel point il te ressemble. Génial, comme ça, on sera deux à se ressembler. Bon, donne-moi la télécommande que je change maintenant. Bonsoir, je voudrais dédier l'émission à mon meilleur ami d'enfance. Rasmo! Ben, et moi alors, il parle pas de moi? C'est normal, c'est parce que c'est moi l'oncle adoptif. Rigolo. Crapouli, il est revenu! Rasmo, repose tout de suite cette télé! T'es mon Crapouli, à moi! Non, t'es hors de question! Il est à moi, Crapouli! J'ai promis au capitaine de faire un méga soufflé au fromage. Il me faut du courant. Svetlana, t'es où? Ce moteur de l'air spatial est propre et simple à utiliser. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus lorsque vous verrez avec quelle efficacité ces bébés fonctionnent dans n'importe quelle condition. Ah, c'est qui ce petit bonhomme avec la soucroute sur la tête? C'est juste un petit bavard qui veut tester un nouveau moteur sur le cargo et moi je l'écoute mais je suis pas d'accord. Ce n'est pas qu'un simple moteur, c'est le turboréacteur à fromage. Laissez-moi seulement l'essayer sur votre beau bateau, vous ne le regretterez pas. Comme j'ai dit, pas d'accord. Attendez! Ne partez pas, je suis disposé à vous verser une somme coquette de quoi vous offrir plein de coquetteries. Vous avez fait le bon choix, je vous félicite. Décidément, on blablate et on perd du temps, alors que la solution est toujours la même. Et voilà, ouvrez grand vos mirettes et contemplez cette merveille de la technologie. Alors, qu'en pensez-vous présentement? Bah, il est tout petit. Nom d'un ragondin, qu'est-ce qu'ils ont fait de toutes les machines? Il n'en reste plus une seule. Oh mon dieu, ils ont piqué tout notre parcours d'obstacles. Au moins, il nous reste la soute à fromage. Le dernier arrivé là-bas est un abruti total. C'est toi l'abruti total, ouais. Ce moteur très économique consomme uniquement du fromage. Avec l'aspirateur turbo branché directement sur la soute, pas besoin de se déplacer. Abruti total. Et maintenant, place à la science avec les doigts. Ne pas la lâcher.
lâcher, tenir musculation. Je lâche pas. Et encore, je n'ai pas mis les turbos. Je mets les turbos avec des doigts. Regarde, Rasmo, trop fort. Je fais des skeletics. Sur les mains. Vas-y, balance encore la sauce! Alors, mon cher capitaine, comment vous trouvez notre nouveau moteur? Oui, eh bien, ça me rappelle le bon vieux temps, ma petite fille. Lorsque j'étais jeune et plein de fougue. Rompé! Rapido, ramène-toi, faut qu'on aille voir le nouveau moteur! Mais quelle merveille! J'ai jamais rien vu d'aussi bon. Ouais. Oh, wow, trop classe, on peut se voir dedans. C'est tellement soyeux. Oh, ça rappelle le fromage en plus. Hey, je pourrais me faire le même sur ma rackboard. Ouais, et pour moi aussi. Tu trouves pas que ça sent un petit peu bizarre? Le fromage brûlé! Comme un carburant. C'est la fin, ça y est, c'est la fin. Rasmo, mais qu'est-ce que tu fais planter là? Vite, dépêche-toi, faut sauver notre fromage. Rasmo, on n'y arrivera pas. Faut qu'on arrête ce monstre. Oui, t'as raison. Tous mes bons fromages qui s'envolent. Elle est bien. Ah, rapido, tu m'as sauvé la vie. Je n'irai jamais sans toi. Dis donc, j'ai failli me salir, moi. Tintin, j'ai l'impression que par hasard j'ai trouvé le poste de contrôle. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à trouver comment ça s'arrête. Ah, un jeu vidéo. Alors ça c'est marrant. On dirait un rapido, c'est trop marrant. Waouh, comment il est classe ce jeu. Ah, je suis trop bon. Ils sont forts ces japonais, il est bon. Il est trop bien ce jeu. Attends, j'hallucine. Oh, le pauvre petit rapido, il en prend plein la tête, la parole. Aïe, oh, ouais, ouvre pas du. C'est bon, ne vous inquiétez pas, j'ai rien, même pas mal. Super. Allô, t'es, j'y crois pas, hein. Rasmo. Bah super, t'es content, tu m'as fait perdre ma partie, hein. Je te signale que pendant que toi, tu faisais le faux athlète, moi, j'essayais de sauver la situation, ok? Rapido, nous sommes dans le poste de contrôle, au cœur de la machine. Rasmo, mais dépêche-toi! La moitié du fromage s'est déjà presque tout envolé! Mais chut! Le fil jaune est coupé après le fil bleu. Oh, je m'embrouille! Mais bien sûr, tu t'embrouilles, mais attention, ils vont bientôt attaquer ma moitié! Ah, laisse-moi faire! Un peu de vaudou n'aura jamais fait de mal! Va me chercher du poulet et de l'eau chaude! Dieu des mécaniciens et des électriciens, entre-moi! Je prends les fils jaunes, les fils verts. Et voilà! Oh, grand prêtre, où s'arrête ton pouvoir? Chut, tais-toi et écoute! Quoi?
on fabrique des fromages. Oh mon Dieu, mais c'est insensé. Rapido, si mes calculs sont exacts, nous sommes en train de produire assez de fromage pour faire la distance Paris, Lune, New York en Gorgonzola. Le moteur s'est arrêté. Ah, j'ai inventé une machine intelligente capable de produire du fromage à partir de l'air. Ah, c'est bien que vous soyez là, je viens de faire mes comptes. J'ai calculé le coût de production du nouveau fromage. Si je soustrais la somme que je vous ai déjà versée, vous me devez encore 250 000 billets. On se calme, mon joli. Bien sûr, j'accepte les cartes de crédit et vous pouvez régler en plusieurs fois. Offre bien entendu soumise à condition et sous réserve d'acceptation. Je les soupçonne d'avoir voulu nous embrouiller. J'aurai la peau de cette machine sur mon honneur de samouraï. Bravo, Benny! T'as stoppé les carnages! Ah, j'aurais dû m'en douter, c'était trop beau pour durer! Ah, les vandales, ils vont me le payer! Attends, le moteur, s'ils s'en servent plus, on est peinards, nous on le récupère! Comme ça, on le monte sur nos radboards et on ira super vite comme un hélicoptère. Parfait, aide-moi, c'est le moment, qu'est-ce que t'attends? Allez, faut qu'on le transporte dans mon atelier, allez. 6 tonnes de ferraille à deux? Bah oui, bien sûr, pourquoi tu rajoutes pas une tonne? Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous allez regretter de vous être moqué de moi. Ah, mais tant pis, il sera que pour moi le moteur. Et je serai le plus rapide. La prochaine fois, vous ferez moins les malins. Benny, on a intérêt à tout ranger avant que le capitaine ne voie les dégâts. Non mais quoi, quels dégâts? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi on n'avance plus? Tu vois? À cause de toi, il reste plus rien, il reste plus que ce bout de tuyau. Eh ben la prochaine fois, t'auras qu'à vérifier qu'il n'y a pas d'antival avant de piquer quelque chose, patate. Ah ouais, patate, patate, moi, patate, toi. Rasmo, ça faisait au moins 6 tonnes. Et alors 6 tonnes, j'ai déjà soulevé une fois, j'ai soulevé ta mère, rappelle-toi.